Bon, hier, ma copine, elle m'a cassé la tête uniquement parce qu'elle a fait un rêve où je la trompais. Alors que je l'ai pas trompée, j'ai rien fait. Elle était une femme de gueulage toute la soirée. Donc là, moi, mon tour d'être un homme de canularage. Comme vous l'avez compris, je vais faire un canular. Bah, elle assume les conséquences, tout simplement. C'est parti. Bon, je lui envoie un message pour qu'elle m'appelle. Qu'elle stresse avant de m'appeler, tu vois. C'est bon, elle appelle, elle appelle. Allô, mon cœur. Allô? Ça va? Ça va et toi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais pas perdre mon temps et je vais aller droit au but. Faut que je t'avoue quelque chose. Hier, on s'est pris la tête et ça m'a fait réfléchir. Et je viens d'apprendre quelque chose encore de plus grave. Ouh, il se passe quoi là? T'es sérieux là, non? Bah, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Là, j'ai pas envie de faire de blagues ou quoi que ce soit. Là, je te parle vraiment sérieusement. Et c'est pas, il m'arrive un truc de ouf. Bah, il se passe quoi? Je sais pas comment te le dire, Marine, putain, je sais pas comment te le dire. Non mais dis-moi, ouais, enfin, je sais pas, Mais c'est. voilà, tu me fais stresser. Putain, je sais pas comment te le dire, je sais pas comment tu vas réagir, mais écoute-moi, c'est vraiment important. C'est être. Accouche! Accouche, justement. Comment ça, justement? J'ai mes filles enceintes. Pardon? Pour l'instant, t'as mis une fille enceinte? Écoute, attends, on va t'emballer, écoute-moi. J'ai mis une fille enceinte, je savais pas, c'était il y a longtemps, c'était avant que je sois avec toi, enfin, je crois. Enfin, tu crois? Comment ça, tu crois? Enfin, j'en suis. Enfin, écoute-moi, c'est pas le plus important. Là, écoute, la fille, elle est enceinte. Et sa famille, elle est venue chez moi. Tout le monde, ils sont venus chez moi, ils ont toqué. Mon père, il a pété les plombs, ma mère, elle a pété les plombs. Et ils m'ont traité de Woody Wood, le pervers, etc. J'étais trop mal. Mais dis-moi que c'est une blague, là, t'es pas Non, c'est sérieux, pas une blague, enfin. écoute-moi, et faut que je te parle, je vais aller droit au but, faut pas que je perde mon temps. Il faut qu'on arrête toi et moi. Faut qu'on arrête toi et moi. Non, non, non. Non. Non, je peux pas continuer avec toi. La fille et tout, c'est pas que je suis chez mon père, il m'a dit je suis obligé de me marier avec elle, j'ai pas le choix. Mais c'est mort, je suis désolée, bah, mon cul, tu vas te marier avec elle, c'est avec moi que tu te maries, je suis Non, désolée. non, 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 je peux pas, je suis vraiment désolé, mais je peux pas me marier avec toi, voilà, je voulais te le dire, je suis obligé de te laisser là, elle est dans la salle de bain et tout. C'est pas une blague, je te parle sérieusement, Marine, je rigole pas avec toi, là, c'est fini, je peux rien faire d'autre, qu'est-ce que je te dise? Chier ton gosse, parce que tu veux avec ta soi-disant meuf qui est enceinte, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi? T'es sûr? Tu vois ce que tu es en train de me dire là? Mais c'est pas de ma faute si elle est enceinte! Elle est tombée sur mon zizi! Elle est tombée dans ton lit, oui, bien sûr, elle s'est jetée dessus, elle. Mais je sais pas, mais c'est pas ma faute! C'est toi qui l'as fait Peut-être. rentrer, gosse! Non, je l'ai pas fait rentrer, c'est mon copain qui l'a fait Non, mais non! rentrer! Du coup, Mais mon non, père, il mon voulait me Dieu! couper le zizi, moi-même, il voulait me le couper, il a voulu me circonciser 20 fois à cause de lui! Bah c'est bien fait. T'es sérieuse là? Ah, c'est tout ce que Ouais tu me souhaites! je suis sérieuse, j'espère que t'auras plus de bite. On va te la couper. Mais j'espère toi aussi t'auras plus de bite pour pas faire d'enfant, tu vas Tu voir. mérites que ça. Ouais, c'est ça. Ah, donc maintenant on est plus ensemble, tu m'oublies, tu fais tout ça, c'est bon, c'est fini entre toi et moi. Mais t'es sérieux là? Et ah, écoute-moi, écoute-moi. Oh. Putain, mais t'es sérieux quoi? Est-ce que tu peux fermer ta gueule, sale canular? Hier, tu m'as cassé toutes les couilles toute la soirée? Eh ben attends, tu sais quoi? Attends, tu peux être une femme de fermage de gueule? Putain, ça fait du bien. Hey, hier, elle m'a cassé la tête. Maintenant, vengeance, elle va l'avoir avec dégoûté. Hop. Mais elle va me faire une vengeance, c'est sûr. Mais sur ce, bonne soirée.